Wow, il va prendre la sauce, top deck land, tu t'en supplie. Allez, juste juste pour qu'on golrille de les oh, le saut. Il va juste casser mon plus de rêve. Ouais, ouais comme ça tu chevalière derrière. boum J'ai une carte. Elle est quand même bien finesse. Ouais, là il se met bien effectivement. Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena. fr comment ça va fou. Ça va très bien et toi. Ça va très très bien. J'ai failli faire une vidéo. A Cappella, sans lancer l'enregistrement. Heureusement non, c'est bon, il est lancé. Aujourd'hui, c'est bon les lapins. Les lapengues, avec un G, j'ai oublié, j'ai mal écrit. Euh, on joue euh, Naya agro, euh, Presque convocation, finalement, parce qu'on fait plein de boards et on convoque avec le chevalier. Sauf que là, au lieu de faire beaucoup de boards en early, on en fait un peu moins, mais. Il est meilleur, le board est plus solide est avec euh, tous nos, euh, toutes nos créatures bah, qui sont quasiment toutes des lapins d'ailleurs. Euh, on va avoir un plan de jeu agressif, célestia un petit peu de rouge pour jouer le recruteur Dimodan et saucer notre adversaire, et des chevaliers aérandéos qui vont aller piocher justement cet autre recruteur ou d'autres cartes costaudes, comme le Phineas As de l'Arc, qui met des marqueurs de plus en plus sur toutes nos créatures qui sont jetons ou lapins. Ça tombe bien, on en a énormément. Et le mentor garde-terrier qui est lui énorme énorme piétinement en fonction du nombre de créatures que nous contrôlons. Donc il est vraiment très très gros très vite. On fait un peu de token avec Ferlosso qui fait 3 lapins. Ou alors avec l'aventure de recruteur. Mais voilà, le gros, ça va être ici. On a des tours avec garde-terrier aguerri. Un, 2 pour 1 qui a plus de plus 0 tant qu'on a un jeton. Enfin, quand il attaque. Euh, meneur de force de vallée qui va prendre un marqueur plus 1, plus 1 pour chaque autre lapin, raton laveur, écureuil, grenouille qui arrive en jeu. Donc, quasiment tout le pack, encore une fois. Recruit pas l'opin qui est un bon tour 1 et un bon tour 3 avec la progéniture éventuellement. Affaire du porte-express, ça c'est une petite gestion qui fait un buff de board, c'est pas dégueulasse. meneur de quête de vallée, ça fait des scry 1 et ça buff tout notre board. Euh, sortie explosive, c'est pour avoir un petit peu de gestion, encore une fois. Phineas GDID, mentor GDID. Et puis voilà, vous avez tout le deck. Le but c'est de mettre des créatures, attaquer et l'adversaire fait et nous on fait et on l'a gagné. En side, on a des frappes d'Elspeth, un petit pillage de réquisition qui fait un peu tout, hein, qui, euh, qui a la capacité impétuosité, donc euh, le multi-kick finalement, euh, deux dangers tectoniques, un, euh, scission, une scission pardon, du portail, euh, l'interrupteur à main, pas mal de one-off dans cette déclisse, euh, de choisissez votre poison, deux invasions de Gobakan, deux repos en paix et deux remèdes de perles de rosée avec un artwork formidable. On est parti Yep, let's go On est juste parti, merci beaucoup aux sponsor évidemment, Plain by Magic Bazar, code Valépl 2024 sur leur boutique, ça vous donne 50% ou bronze de points de fidélité supplémentaires quand vous utilisez et ça nous soutient. Et merci au Team l'un lien dans la description, vous cliquez, vous y êtes, vous faites vos petits achats sur leur site, ça nous soutient quand vous utilisez. Euh, notre lien d'affiliation. merci à tous Oh. Merci beaucoup et merci à la Belle Carte qui sponsorise cette vidéo. Vous pouvez euh, gagner un booster Bloomborough. Il vous suffit pour ça de participer dans l'espace commentaire, être abonné à la chaîne et laisser un pouce bleu. On tirera au sort un commentaire dans les jours qui arrivent et vous recevrez un petit booster chez vous. Merci à tous. La Belle Carte est euh, disponible sur Vote, l'application d'enchère en live dont le lien est évidemment en description. Euh, vous n'avez qu'à cliquer créer votre compte. Vous avez 10 euros offerts avec le code parrainage de la Belle Carte. Et nous, on fait du box break, de la petite vente de boosters, de la carte à l'unité, sur tous les TCG du magic venez nous voir ça va être sympa régaler jouer en premier et on a une très bonne main là vas-y c'est qui excellent oh, tour, un, tour 2 1. tour 3 euh, et à jouer toute ta main régalé je peux pas lui cacher de couleur autour 2 pas grave Oui, je joue un désert what the fuck desert euh, j'ai pas pas rejoint standard là avec le ah ouais. ah, il joue peut-être un désert par, ce, par pure sympathie, c'est ça que tu veux dire. Peut-être qu'il joue un désert sympathique, ouais. Ouais, ouais ok. Ou peut-être ouais, pas. Parce que ouais, désert, je vois pas quel deck veut jouer des déserts actuellement. Ouais joue mon donne. Je crois que tu fais faire le saut au chevalier et tu, tu te goinfres quoi Ah je mets 7 là. Non, goinfre-toi. 7, 7 points, ça c'est l'état tour d'après, il est mort. Ouais, a... ouais T'as pas peur qu'il interagisse Imagine, il te fait confinement temporaire, tu fais quoi dans un deuxième blanc. Je sais pas. Non, tu préviens je... faire ça Je sais pas, j'ai pas d'avis. Je dis juste que sur confinement, tu fais la gueule. Mec, viens, je fais la gueule. Allez, vas-y, fais la gueule. Il a pas là. On fait une vidéo best-of là. Mana blanc. Aïe, 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 aïe. T'as eu chaud, mec. Hein. Ah, j'ai pas eu chaud. Tu du tout. Vu, la... ouais. Je savais très bien. La... T'as vu la carte blanche arriver là Comment ouais, elle t'a fait piter gros Bah j'étais euh, full safe. Non t'as pité de fou. Je me suis non, dit mais là... Tu tuais tu, tu quand même avec mon plan, hein, dans tous les cas. Ouais, Je sais pas. Tu tuais tu quand même avec mon plan et tu, et tu tournais euh, autour de. Enfin tu tuais. Tu t'achetais tu, tu vraiment la, la game quoi. Je trouve. Je pense que j'aurais fait. Ah euh, bon. J'aurais chevalière mais. La chevalière. Dire que c'est ok. Euh, ah, si le plus de dégâts, il prend 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, il prend 13 14, 15 et il est mort. Ah, il est mort. Et il est mort le type. Actuellement 16 points. Actuellement décédé. Salut, moi c'est Ant Collector, actuellement décédé. Statut, <laughs> voilà. pas en vie. Statut, pas, pas vivant. <laughs> bon, c'est pas ce qu'il joue, je... donc ça euh, ouais, je... idoirait je... ouais. pas, dans le doute. Je viens de voir que ma petite webcam tourne depuis tout à l'heure donc elle doit être brûlante. Elle l'est. Ah oui moi aussi. Les... J'ai touché les brûlants. Elle est allumée aussi ta webcam Moi ouais, elle est allumée et elle fait la gueule. Tu sais quand elle est en mode ah, <laughs> oui. complètement. Et je pense que le fait qu'elle soit allumée pour rien, c'est peut-être pour ça qu'elle fait la gueule. C'est pour ça qu'elle fait la gueule. Tu sais que tu peux la replier, ça l'éteint. Bah t'as pas envie de travailler pendant tes jours de repos toi Ça dépend le travail. Bah, la en tout cas, euh, elle a vraiment envie d'avoir des vacances, hein, visiblement. Putain. Si, euh, si le travail n'est pas, euh, pas pertinent euh, sur les jours de repos, pas ouf. Ah bah là, c'était pas pertinent la pauvre. On lui demandait rien du tout et mmh. elle était quand même allumée. Tiens, filme le mur. Tu <laughs> me disais es que ça bouge. Ah eh ouais, mais pourquoi Je peux pas me reposer Non, non, filme le mur. Fime, ah bon, bah, d'accord. Que... Ah. D'accord. Ouais, je fais double drop 1 je crois là, non Double drop punch, ah ouais. on n'allait pas les scry hein, du coup. Tu Pas les scry. Tu préfères avoir les scry En vrai, euh, ça me va aussi. Hein. Ouais, j'aimais les scry moi. Vas-y, vas-y, scry, scry. Et et je peux il, a deck, hein. mmh. il a l'air bien deck. Il a l'air bien, punchy, tu vois. Comme ça, j'attaque. Des bonnes tartissons là. Ah, il bloque. et Il a vu ce qu'on a, euh, qu a fait autour d'avant. On joue un Mirror, mais lui, il n'est pas dans les secrets, tu vois. Il n'est pas dans mmh. les secrets des dieux. Ah, J'ai l'impression qu'il joue un peu avec les cartes qu'il a, le, le poulet. Je vois pas trop la cohérence de son paquet à l'instant. Je peux faire mon Tour 1. Hein. Autant Ajar et Gwena, je vois, mais je ne comprends pas pourquoi il a joué un Felidar avant. Tu devrais avoir un intérêt à sceller. Oui. Bah, J'allais te dire, tu aurais dû tuer ça, Gwena, quand même. Ça me fait peur. Hein. Ah. Si son deck est cohérent, s'il fait pas euh, avec les cartes qu'il a, ça fait peur, Gwena, non Mike, tranquille. Gwena la guerrière. Tu connais. Hein Il joue genre euh, Esper, euh... Euh, pas Esper. Non, mais Naya, il, joue, euh, il, joue le dec, il joue le deck de Kibler, je pense. Il Legend Mais je, je sais pas pourquoi il y a Raya qui fait Lidar dedans. C'est légendaire. Ouais, c'est Naya, Naya Monster quoi. Il est légendaire, fait Lidar. Oui, mais dans le plan Monster, je vois pas ce qu'il vient faire. Ça fait un, c'est un body qui scry 2, qui est légendaire, ça doit combler le trou laissé par un truc qui est sorti de la rotation. Peut-être, ouais, ok. Ah, je il, suis il pas joue f... le deck de Kibler, ce qui est un vrai deck, oh mais pas très bon. Elle est rigolote, soit-il, comme ça. Elle est très jolie. Elle est un peu choc ouais. bar. Je savais même pas bon, qu'elle avait coup... ce skin. T'es pas puni par Gwena, c'est une bonne nouvelle. C'est incroyable, euh, l'arrière le... est fou. Des Iguals. Cra. Attends, mais il aurait pu d'étape non Ah non, c'est un gros spell. Je peux déjà, il donne, il met une saucée. Euh, je, vraiment, je tuerais Gwena. Hein. Alors, ça tu me fait un de fou. Okay. Ouais, je pense. Gwena, recrue, tu vas chercher un land et puis, puis tranquille. tranquille. Prends pas le mana. Il bluffe zéro l'adversaire, j'adore. Genre, si peu derrière, il te mettait un truc genre. Euh... Comment ça s'appelle euh... Ah, j'ai plus son nom. Etali, tu vois. Genre il fait ouais. land, Gwena, Etali. Là je préfère que s'il paye 5 pour retourner sa Uatli, ça me va. Genre je suis fine avec ça, même pas. De son façon, il trade. Il la retournera pas. Allez, un petit Et là, coup, on il fait a pas assez de mana pour faire un truc vraiment méchant, donc tu vas pouvoir le recruter euh, très fort. Et s'il joue fin du soleil, je comprends pas son deck, quoi. La petite fin du. Je m'attends à fin du là. Ah ça marche. Ça c'est relou, c'est déjà plus cohérent. Il a l'air de jouer un deck à sa sauce, mais qui, qui, qui comment dire, qui est cohérent quoi. Mmh. Qu'est-ce que t'as C'est vrai qu'en bronze, tomber. quand tu vois un désert, on pouvait peut-être s'attendre à un gars qui débute, mais non, non, il a l'air de jouer un truc, mmh. euh, truc normal. Ouais, c'est assez rare avec mon compte, même en bronze, que j'affronte. Euh... Ouais, mais tu vois, peut ça prendre. peut arriver quoi. Ouais, ça c'est relou. Bah là, on a du moins perdu, hein. Ouais. Sortie explosive. Euh, tu vois, il jouait Tali. Ouais. Je vais ah, Santi. Ça, ça c'est une bonne réponse. J'irai ai Santi. Bon, par contre, en game 2, tu devrais pas avoir trop de problèmes ni à s'aider ni à, ni à le dépoper, quoi. Mm. Son deck, il est très lent, il n'interagit pas, donc tu peux faire n'importe quoi. Euh, le temps il que lui. Euh... Ouais, mais tu peux vite outrepasser ça, je trouve, avec ce deck, justement, à la différence de convoque. Mm. Ok bon, c'est effectivement ça naya les gens de monster. Des bonnes grosses bêtes là. Jamais en vrai. C'est un peu mignon parce que ça interagit pas assez, mais. Ouais, ça interagit pas assez, mais effectivement, c'est... Je pense cohérent. 5. Hein. Je pense 5. Il, Il est joueur quand cas. même. Hein. Je tente Boarf. Pas mal ton boarf. Antibète sur Mentor. GG. Bon, tu Antibète bon, sur Mentor, tu passes à la 3. Ouais, vas-y. Ouais, ça faisait. Vous voyez qu'il avait une sortie explosive depuis 3-4 tours là. Bon. Alors, contre lui, il va curver des cartes à tous les tours. Donc tu peux jouer des ave-mains. Enfin, un ave-main. Ça a l'air bien. Ouais. Et pareil pour euh, Gobakan, vu qu'il veut curver tous les tours, tu peux retarder euh, ouais. n'importe quelle carte. Et je crois que c'est tout, hein. tout le reste n'est pas très bien. Cible artefact non-jeton ou enchantement et un qb 2. Putain, c'est hyper précis. Ouais, de fou. <laughs> ouais, le reste, je crois que pas besoin. Yep. Est-ce que tu veux pas contre lui C'est tous les trucs un peu molasses. Genre affaire du porte-express, ça a l'air compliqué vu que ces trucs sont que ouais. des ports. Euh... Et genre... Euh... Je peux je parlais, un faire je le saut. Peut-être un faire le saut, ouais, c'est un peu mignon peut-être. Et en même temps, attends, faire, faire le saut ça permet de faire la des, des sorties dingues avec euh, Chevalière en vrai. Genre Finas c'est peut-être un peu plus gentil. Ça, non, ça c'est un drop mou. Bah, contre lui j'aime bien avoir tous les drop pour faire des sorties débiles. Ah mais lui il tape pas avant le tour 3. Non mais il fait le compte pour avoir Chevalière, tu vois. Il faut 12 pour avoir Chevalière. Bah, non, mais en tout cas, plus tu as de drop 1, plus chevalière, elle est débile, alors que je ne sais pas si Phineas est très pertinent. Mmh. C'est très fort Phineas. Un hein. ah, mentor juste. C'est un peu un plomb. Non, mais par... bah, justement, lui, il est bien. Il outrepasse ses grosses bêtes. Euh, moi, j'aime bien. En fait, plus tu as de drop 1, plus chevalière et mentor sont bonnes. Et... et faire le saut aussi, tout ça, c'est ton core gameplay. Pareil pour Imodan, donc du coup, moi, j'irai plutôt taper dans Phineas dans, ou enlever une gobacane ou enlever un Interrupteur à main. Pe Peut-être que l'Interrupteur, il n'est ouais. pas, pas brillant. Quoi. les Phineas, vais. je pense c'est la plus gentille de nos cartes qui, qui fait partie de notre core gameplay, tu vois. Ça peut être vénère. Hein. Genre, tour 3, tu mets euh, 2, 3 lapins, là. Tu attaques avec Phineas, tu mets un marqueur sur tous. Ouais. C'est ouais, ouais. fort. Hein. Je vais en premier. Il fait que des bonnes mains ce deck. Ouais, bah il est, il est bien. Il, il a beaucoup de drop 1 et drop 2, donc normalement tu, tu fais des sorties cool quoi. Et là tu vois pour Chevalière, faut qu'on trouve euh, genre faire le saut ou d'autres. Nice. Ouais là c'est cool. Euh, Phineas, meilleur. Coudou... Là. Bah ouais, ouais Phineas ouais. Mais comme ça le tour d'après tu pourras attaquer dans. et buffer ton meneur. Ouais, si tu trouves pas de land, c'est meilleur. Et si tu trouves un land et que tu fais faire le saut, c'est banger aussi. Hein, parce plus, il a vigilance, donc tu buffs tout le monde et tu fais chevalière. Ouais. Dengri. Bingus. Non, touche pas oh, le Oh le le Bangers. C'est vraiment un Bangé comme la ville, quoi. La ville de Bangers Bangé, dans le Mans. Je connais pas c'est Angers ah d'accord du coup si c'est dans le Mans elle devrait s'appeler manger en vrai Ouah, il va prendre la sauce top deck là tu t'en supplie allez juste juste pour qu'on goal allez Imodane Imodane oh Imodan. 6 points non euh, non, plus, non, plus 9 non, plus, points. non plus non plus non plus, il plus. Pas faire plus. le saut Je dis putain il va il va juste casser mon plus de rêve ouais Ouais, comme ça, tu chevalières derrière. Boum j'ai une carte Elle est quand même bien finesse. Ouais, là, il se met bien, effectivement. En fait, quand tu le curves avec faire le saut, c'est vraiment très bien. Euh, lui, déjà. Lui et Meneur. Ouais. ouais. Ah, je comprends pourquoi ce deck, il est joué. Il est bien, hein, franchement. Et il est pas mal. Eh, il est pas mal. Il est, il est sympa. T'as vraiment les sensations de Boros convoque, sauf que t'es pas obligé de jouer des cartes un peu faibles. Toutes tes cartes sont fortes individuellement. Mmh. C'est pas grave. Il est chaud quand même en vrai. C'est pas grave, on met la, la pression. Est-ce que Imodan, là je mets 5, 6, 7, 8 Non. Je mettrais Imodan aussi je pense. Tu mets Imodan pour mettre les points là Ouais je pense. Puis derrière tu seras plus mana efficient en jouant deux drops. Bah b. ouais c'est ça que je voyais. Je suis assez d'accord avec ça. Puis tu tues en deux tours ton opo hein. si ton opposé fait rien. Si... Bah, si je retrouve un imodon ouais. Buzz, c'est chiant. Ouais, Buzz, c'est chiant. En vrai, fin de la fraternité sur ce tour-là, c'était quand même vraiment relou aussi. Mais t'as bien fait du coup de faire ta chevalière. Ok. Ça un peu complexe, mais en vrai, ça va. Là, en vrai, ça va. Là, tu, peux peux faire faire bah, tu veux faire double mentor. Tu veux double meneur Bah, comme ça, tu gagnes des triggers en vrai. Parce que sinon, je fais double mentor, ils sont tous les deux 4-4. Et ensuite, quand je fais double meneur derrière, ils sont immenses. Et tu fais double meneur, là, et, euh, tes, tes, tes meneurs sont 3-3, tu, tu attaques pas très bien. Ok, tu veux faire une contre-offensive vénère, c'est ça Ouais, je veux préparer un truc, et s'il a encore une fin de la fraternité, bah, bien joué. Ok, ok. Bah, alors, fin de la fraternité, ah oui, ça tuera tout le monde, ouais. Ça ouais, me paraît si ça. Pour ça, meneur, et ça. Sinon, je peux faire faut un faire mentor un et... et ça, hein. Je crois que c'est mieux, ouais. Ouais, c'est vachement mieux. Ça trouve deux bêtes, mais c'est pas fou. Mais ça avance, j'ai rien. Tu reconstruis, en fait. Ouais, ouais. Là, on sait que les 12 cartes en dessous, c'est pas des imodanes, Donc, en fait, c'est sur le top 32. Euh, qu'il y a 3 Imodan. Ok. Oh, Il joue Roxane. Il est marrant, son paquet, j'aime bien. Ouais. C'est un peu comme Temur Monster. Je pense que c'est. Peut-être mieux, je sais pas. Bon, il doit jouer des câlins aussi. Faut faire je peux faire double meneur okay, et ouais, j'ai un mentor qui est très gros. Je crois que tu fais meneur de force de vallée et double meneur. Comme ça, tu le triggers et comme ah, ça, je tu peux fais pas. juste fou. Euh... que quatre Ah, il arrive, il arrive taper euh, gorge ouais. de l'Inguivre. Ouais, bah du coup plutôt un meneur et un meneur et un mentor, pardon. Une de Mentor Ouais, je pense. Ok, parce que si je mets ça, il est 7-7. 7-7, il se fait double bloc par. Euh... En fait, qu'il soit 6-6 ou 7-7, ça block. change quoi T'as raison, je ne change rien, plus. je crois. C'est trop tard, ça, non Ouais, je crois que c'est tard. Pas d'attaque. Je crois que t'as pas d'attaque, ouais. J'espère passer un tour et, et proposer une sauce. <coughs> Parce que tour d'après, tu proposes une vraie sauce. Hein. Mmh. Si je trouve un mana d'étape, je peux faire euh, meneur recrue. Euh, non, meneur de force, Putain, meneur de est... quête, recrue qui. Il Kiki. a été chaud avec sa vraie sur notre tour quand même en vrai. Ouais. Deux mana blanc. Oui. Il va nous les mettre face. Oui, il les met sur le mentor pour que je bloque pas. Il a une deuxième Roxane. Du coup, prend le trade avec la chevalière. Ouais. Si c'est du bluff, c'était du bon bluff de sa part, mais. S'il a pas masqué sa Roxane, on l'a un peu recte là. Ouais. Ok. Peu tu caca. peux tout jouer là. Je crois que je vais faire meneur, meneur, meneur. Ouais. Meneur, meneur, meneur recrue. En vrai, tu au non, on s'en fout euh, s'il Ah ouais l air, l air, là. En fait, ah, ils auraient joué plus tôt, ça nous aurait rect, donc. Euh... Ouais. C'est là, je pense qu'il l'a pas et qu'il faut qu'il a top deck. Je peux jouer mon recrue aussi. Ouais, tu vas la jouer après ta meneur pour trigger euh, le scry. Ah, je vais attaquer avec ça, hein, je te le dis. Ouais ouais. Non. Euh, non, pas lui. Oh non, pas lui. Oh non Bah bon, ouais, c'est. Ah Je t'ai perdu une seconde, tu es là Ah. Je disais c'est lui qui joue monster, mais c'est nous qui avons un board de fou. C'est nous qu'on a les monstres, non plus hein non, non, ouais, je crois que là c'est euh, Imodan ou euh, Chevalière que tu vas chercher. Ah, c'est pas mal ça. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, ça c'est pas mal, vas-y. C'est pas mal mieux que la draw moyenne que tu peux choper quand même. Bon, allez, le 9-9, il va dans la trogne. Phase d'attaque. Phase d'attaque. Sortie explosive, parce qu'il en a toujours. Il a déjà une. Oh, il a fait une bonne sortie là. Eh ben, bah, il fait une très très bonne sortie. Euh, Protège je... une bête, on va mourir sur fin de la fraternité. Ouais. Genre un meneur. Voilà, bah il meurt plus, là. ils sont 3-4. Ouais, je disais un meneur, euh, le, le petit ah oui, meneur, euh. pardon. Ah, il s'appelle tous meneurs. Là. Le... Ah, il faut il de pression, on s'en sort plus. là. Et... C'est pour ça que le deck s'en sort pas. Il peut pas y avoir plusieurs meneurs en vrai. Hein. Il n'y a toujours qu'un meneur. Non, là, ça va. Ouais, ça va, ah, il s'entend bien. là. Ah, franchement, okay. il, en fait, il mène, mais dans la même direction, donc c'est bon. Ah il ouais, y a deux numéros 10 dans la team. Ouais. Putain, il y va face. Ça, c'est vraiment, je sens, c'est le, le plaid du désespoir. Oh, ouais. je vais où Je vais. Eh ben, face. Oh, je vais dans la gueule. Eh ben, écoute, tu vas faire plein de scry. Et tu vas mener. Oui, il y a un, un contrat, mon meneur. Excellent. Non. 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 Quand ah, même. Je vais oh. les avoir, les Imodan là. Allez vas-y, là tu scryes sur Chevalier pour avoir le droit d'attaquer avec. Dommage. Oh, je vais bien trouver un anker. Non, non. Ouais. Ouais, tu as bien trouvé un Nimodan, c'est pas possible. Je, je ne peux pas y croire. Qui y a d'autres que tu pourrais envoyer là le, le recruteur lapin si tu veux, ça, ça demande de faire d'autres trades un peu ouais, plus sympa C'est des, que des 4-4. Hein. C'est 3-4-4 hein, quand même. Ah ça a l'air bien, vas-y garde. Ouais. J'attaque. Ouais, bon les Imodan ils font la fête à la fin du deck, hein, mais... Ouais je crois que tu avec Chevalier et tous tes meneurs, hein, et tes, tes recrues, enfin avec tout sauf tes lords en fait. Mmh. Phase d'attaque, ça déclare mes attaquants, tous mes lapins. Ah toi En tout cas, c'est un deck qui propose des stats qui sont beaucoup plus puissantes que bros Convoque. Donc, tu perds un peu en explosivité, même si t'as des sorties débiles, mais globalement en termes de juge de volume, ce que tu recrées sur le board, c'est pas mal du mmh. tout. Est-ce que tu dirais que c'est le méconium, le méconium enchanté qu'elle tient dans la main C'est le méconium enchanté. Ouais, c'est la merde de son premier enfant. Je suis désolé, ouais. je vous dis les termes, hein. c'est ce que c'est. Hein. Ça me fait un peu rire, ça me fait un peu rire. Oula, ouais. mais on va prendre... mais eh ben attends, mais si j'attaquais avec tout, il n'était pas... Je crois pas. Il n'était pas dob parce que j'ai quand même 16 points de piétinement. Plus une 5 5 et 2-4-5. Je pense que non, et qu'il aurait pu te traiter favorablement un petit meneur dans l'équation, alors que là, le tour d'après, t'es vraiment gucci quoi. Surtout si jamais tu gardes faire le saut, c'est vraiment pour avoir des 4-4, je pense. Ouais. De toute façon, c'est pas tellement comme s'il était bien là dans ces dans blocs. Je tue Gwena plutôt que Roxane. Non, Roxane ça met deux, c'est chiant. Je tuerai Roxane, il a assez de mana pour jouer ce qu'il veut maintenant. Donc euh... mmh. En plus que ça double les les manas. L'avantage aussi sur Etali c'est qu'il a rien de méchant à trouver de notre côté, à part un Imodan. Ah, mais il peut rendre indestructible. Ah. Bah, c'est pas grave. Mmh. Non, mais il peut. Oh le buzz! Ah peut-être qu'il fallait mettre les deux dégâts pas sur Gwena mais Faye. Ah non tu peux tu peux pas assigner. Euh, ouais. Non non il faut d'abord tout mettre. Bon, je fais pas semblant. Non non on fait pas Attends, semblant. Attends il a 4, 1, 2, 3, 4, 5 Ah je tue pas mais ouais, je tue, suis pas loin. Je tue pas mais le tour d'après au moins t'es sûr de tuer. Là t'as 1000 scry donc t'es sûr d'aller chercher Imodan en plus. Ah c'est qu'au moins 1, donc j'ai 3 Scry. Ouais c'est en deux tours, c'est chiant. Ouais. Va chercher les modales. Recrue pas de Lopin. Recrue pas de Lopin, ouais. Je suis qui piète. Mais qu'est-ce c'est un truc de fou hein Ouais, c'est dingue, hein. là t'as Scry entre les 12 cartes Attends, plus un, deux, les. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, il y a non. 3 Imodane dans le, dans le, top, dans le 17. top 17. Ouais. Je vais avec les deux. Ouais, il a un double bloc avec Gwena et Ajar, mais je crois que c'est ok. Mais il peut se sacrifier que okay, pour hein. que ses créatures légendaires soient indestructibles. Ouais, mais j'ai pas l'impression qu'il ai qu ai qu ait des blocs euh, dingo, quoi. Ça me, ça me va, Attends, mais attaquer avec tout, c'est pas bien. Parce que s'il bloque ouais. comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est toujours pareil, tu vas, il va forcément pouvoir te manger un meneur dans l'équation, non bah, Il mange un meneur en sacrifiant ça. Mais du coup, il y a 7 points piétinement, en fait, c'est ça le problème. Vas-y, mets les meneurs, si tu penses que c'est bien. Je crois que là, on peut y aller, ouais. Ça dépend sa de dernière carte aussi, mais. Si c'est Get Lost, plus je te mange un truc gratuit, c'est pas frais. Get Lost a meneur, mange un truc hyper ça. En fait, y a non, a il, game... get, il, get, il Get Lost le recrue, il trade ah un oui. meneur favorablement. Sur le recrue, ouais. Ça qui est pas ouf, quoi. Non, mais ça l'air. S'il a pas anti-bet, ça le met chaque mat effectivement. Mais ah tu tournais pas autour anti-bet, en fait. Pour précédent, c'était encore un peu dangereux, là, mais là... Il peut pas te manger une bête gratuitement s'il n'a pas l'anti-bête. Mm. Donc il est obligé de prendre des blocs de merde. Ouais. Bah, il va te donner Gwena dans la recrue, il n'a pas le choix. Bah Vaut mieux mettre sur Meneur. Il encaisse moins de dégâts, mais dans tous les cas, il est un peu dead. Là, il est mort. Là, en fait, même s'il sacrifie Ajar. Non, en fait, il est échec et mat, ouais. là, je crois. S'il si a pas anti-bet sur recru, il est mort, ouais. ouais. Ah, c'est compliqué comme spot parce que soit tu tournes autour d'anti-bet, soit tu loupes l'étal, quoi. Ouais. Louper, l'étaler. Enfin, tu tournes autour en, d'anti-bet en et tu loupes l'étal, ou alors tu ignores anti-bet et c'est GG well-play. Non, t'as pas d'issue. Si, il a une issue. Il faut qu'il mette Beza dans la 7-6. Qui joué. met Buzza dans la 7-6 et qui met Gwena dans la 4-5 Il avait un moyen de survivre. Hein. Ça lui donnait pas la victoire, mais il avait un moyen de survivre, je crois. Ouais, il pouvait avoir un, une draw de plus. Ouais. Et bon, là, on était ouais. quand même à une chance sur 6 d'avoir un Imodan sur le dessus du pack. Ouais, ouais. Écoute, euh, très stylé euh, cette game. Franchement, le deck euh, m'a régalé. Très, Nickel. Très c'est quoi Masterclass, on s'arrête là Ah oui, faut pas toucher là quand ah. ça fonctionne bien comme ça. Alors, des os Puis vous même, le popo, euh... il, était, il était cool ça. C'est bon, les lapins. Là, vous allez dire Ah, oh, putain, vidéo un peu plus courte que l'étude. Oui, mais des fois, c'est bien aussi. Euh, des arrive. fois, vous avez juste le jus à vous mettre sous la dent. La vidéo est délicieuse. On touche plus. On clair. touche plus. Fin de cette vidéo, pouce bleu, commentaire, partage, abonnement, réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch Volpelmagicarenafr et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. C'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.